ça tend vers 0, alors vous pouvez utiliser la forme là, la forme qui est là, la forme x à la puissance alpha, ln de x, pour lever l'index, termination. Il faut essayer de se ramener à cette forme. On est d'accord? Alors, si cette idée est comprise, on peut maintenant se mettre sur cette tâche, c'est-à-dire essayer de calculer la limite. Parce qu'ici, on se rend compte que 1 plus x, quand x tend vers moins 1, on l'a vu tout à l'heure, il va tendre vers 0. Donc, l'expression qui est à l'intérieur du logarithme, il tend vers 0. Donc, on va chercher quelle forme? On va essayer de chercher la forme là. Et cette forme-là a un cas particulier. Le cas particulier de cette forme-là, c'est quoi? Limite, lorsque x tend vers 0, du moins, de x, ln de x égale à 0. Ça, c'est un cas particulier de celle-là. C'est dans le cas où alpha égale 1, parce qu'alpha peut être égal à 1. On est d'accord. Donc, ça, c'est un cas particulier. Et c'est généralement ce cas particulier-là qu'il faut utiliser pour pouvoir lever une indétermination dans le cas où l'expression qui est à l'intérieur du logarithme tend vers 0. On est d'accord. Vous comprenez? Alors, je répète, hein, c'est peut-être nouveau, mais ce n'est pas compliqué. Et c'est une technique qui marche toujours, hein, je vous le dis, hein, ça marche toujours. Alors, je répète, si vous avez une forme indéterminée avec le logarithme, il faut s'intéresser au niveau, donc il faut s'intéresser à l'expression qui est à l'intérieur du logarithme. Vous regardez quelle est la limite de cette expression-là. Ici, quelle est l'expression qui est à l'intérieur du logarithme? C'est 1 plus x. Alors, vous regardez. Lorsque x tend vers moins 1, parce que dans l'exercice, on vous dit que x tend vers moins 1 plus. Alors, lorsque x tend vers moins 1 plus, la limite de 1 plus x, vous l'avez déjà calculée, ça vous donnait combien? 0. Je vous dis que si l'expression qui est à l'intérieur du logarithme tend vers 0, il faut toujours essayer d'utiliser cette forme de référence pour lever l'indétermination. Cette forme-là, la forme x ln de x quand x tend vers 0. Cette forme-là, on se ramène toujours à cette forme. Alors, il ne faut pas perdre de vue que cette forme-là, elle est générale. On a écrit ici x ln de x, mais dans le cas général, il faut la comprendre comme ça. Je vais peut-être généraliser, je vais mettre un point d'interrogation, ln de point d'interrogation, quand, je vais généraliser cette forme, quand point d'interrogation tend vers 0, cette forme-là c'est toujours 0. Alors, pourquoi je mets point d'interrogation? Quand je mets point d'interrogation, ça veut dire que le point d'interrogation peut être remplacé par tout ce que l'on veut. Mais pourvu qu'il tend vers 0. Mais il faut que le point d'interrogation tend vers 0, vous comprenez? Donc le x qui est là, c'est une variable quelconque. On peut la remplacer par toute autre chose, vous comprenez? Mais il faut que cette chose-là tend vers 0. C'est la condition. Dès que la chose tend vers 0, si vous avez la limite de cette chose, ln de la même chose, ça vous donnera toujours 0. C'est pourquoi ici je vous dis que la limite, lorsque point d'interrogation tend vers 0, de point d'interrogation, ln de point d'interrogation, le résultat c'est 0. On est d'accord? Ça, il faut le savoir. Donc, cette forme se généralise. On est d'accord? Ça se généralise. Alors, donc si ceci est clair, on peut avancer un peu. On est d'accord? Parce que l'idée, c'est de faire un changement de variable pour revenir à la forme. On est d'accord? Donc, voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, je ne veux pas mettre toujours x ici, mais je peux changer le x et mettre tout ce que je veux. Si je veux, je peux mettre une étoile. Hein? Voilà. Étoile, hein? Pourvu que étoile tend vers 0. Non, c'est cette compréhension qu'il faut avoir de la chose. Hein? C'est cette compréhension. Il ne faut pas être sous l'emprise des variables, hein? Sinon ça devient compliqué. On est d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut le comprendre. Hein? On est d'accord? C'est comme ça. Étoile, ln de étoile, la limite quand étoile tend vers 0, la condition c'est que étoile doit tendre vers 0. Dès que étoile tend vers 0, c'est 0. Vous comprenez? Donc voilà, c'est clair, tout le monde comprend un peu l'idée.